Mais qu'est-ce qui se passe avec le Canadien de Montréal? C'est la catastrophe! Et Boom Desjardins, le chanteur, qui est un gros fan du Canadien, lui, il est tellement découragé qu'il a décidé de composer une toune pour les encourager dans leur séquence noire. Il est ici en studio pour nous la faire en prestation. Boom Desjardins! Ça me fait mal que quand on prête. On l'écoute en prestation, Steffi Choc! Mais qu'est-ce que vous allez faire d'autre de votre retraite à part la musique? Oh, el sol y la playa! Ah, ben c'est sûr, la plage. Vous avez des belles plages à Cuba, profitez-en! Que? Cuba! Nah, I'm going to Florida! C'est pas vrai! Si! Mais là, vous avez lutté toute votre vie contre les États-Unis, vous allez prendre votre retraite en Floride! Bon, ben on est de retour, et dans l'actualité, on parle beaucoup d'un nouveau procès pour Robert Picton! Ce fermier canadien, anglais, cave, moron, épais, qui a tué, je sais pas combien de femmes, 49, je pense qu'il voulait en tuer 50, imaginez, il a tué 49. Mais c'est pas ça, le pire, c'est qu'il y a un producteur, imaginez-vous donc, qui veut faire une comédie musicale inspirée des événements entourant la tuerie à la ferme de M. Picton. On a des extraits, on regarde ce que ça donne, la comédie musicale de Robert Picton, franchement. Robert Picton had a farm, E-I-E-I-O. And on this farm he had some chicks, E-I-E-I-O. There's a dead one here, dead one there. Looks like an ear, looks like a leg. Old Bob Picton had a farm, E-I-E-I-O, E-I-E-I-O. Les petites mousses de mon nombril sont mes amis. Les petites mousses de mon nombril. J'ai confiance, ça va bien aller. Le palais du Québec est en sécurité. Personne ne peut savoir ce qui se cache derrière ma joke face. On se fait bluffer, on se fait fourrer. Un inventeur au Québec, soucieux de protéger nos aïeuls, qui a inventé un système d'alarme qu'on installe sur les vieux. C'est très simple, puis dès que ça brasse un peu, ça décolle, puis ça fait fuir les voleurs de sacoche et malotrus de toute la cabite! Bon, ben alors, on va voir si ça marche. Inquiétez-vous pas, là, j'ai le remote, puis je vais vous arrêter si jamais ça devient dangereux. Brassez-vous le baquet, là, pour voir si ça fonctionne. Ah ben, ça fonctionne! On l'a arrêté. Voyons. Oh! Les batteries sont là! M'excuse! Ah, fuck off. Ben, ça fonctionne! Comment elle est morte? Je crois que ça a de l'argent dans sa sacoche. M'excuse! J'ai fait un éditorial où je parlais du poêle, là. Je fais une allusion. On peut-tu voir l'extrait? Ça va être plus simple. On regarde l'extrait, puis on revient. Là, tout comprendre. T'arrives avec une fille de 20 ans chez vous, t'as des habits. Elle a rien! C'est neat! T'arrives avec une femme de 30 ans, t'as des habits, il y en a un petit peu. Mais il est trimé. T'as apprécié. Là, t'arrives avec une femme de 40 ans, t'as des habits, paf! Le Doc Mailloux! T'es cœur, hein? Bon. Là, le Doc Mailloux, il est quelque part en studio, il est pas content, il fulmine. On le rejoint, là. Doc Mailloux, on va essayer d'arranger ça. De qu'est-ce que c'est, là? Hein? Ben, voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. J'ai-tu l'air d'une touffe? Hypertrophie de la prostate. Faire pipi en plusieurs actes. Les testicules. J'ai pas envie de me voir nu. J'ai pas envie de me voir nu. Je pensais jamais avoir des tétons ou ramollir sous le caleçon. J'ai... Elle est où, Momon? Je veux la voir. Ben, je sais pas c'est qui, Momon, mais en tout cas, moi, c'est Denis, enchanté. J'aime pas ta gueule.
T'as une sale gueule. Je vais voir Momon. Bon, ben, en attendant de trouver Momon, nous, c'est pas mal tout le temps qu'on a. C'était Edith Piaf. Merci beaucoup, Madame Piaf! Merci! Je t'emmerde, connard! Bon, ben, on se laisse là-dessus. OK, bye! Momon. Elle est où? Hein? Elle est où? Momon! Maman!